Alors oui, bonjour tout le monde. Enfin, vous êtes réveillés, vous êtes prêts pour la première manche, la première étape, si je puis dire. Et comme vous l'avez peut-être remarqué, je ne sais pas si vous avez trouvé le papier. Est-ce que vous l'avez trouvé? Absolument. Celui qui ne le trouve pas est vraiment une merde, hein. S'il vous plaît, quoi? C'était tellement simple, c'était juste à côté de notre lit. Eh bien, c'est parfait pour vous, ma chère Marguerite, pour votre équipe. Et vous, Calypso? Ah, bah nous, on l'a pas trouvé. Quel nul! Eh bien, je vais vous dire l'étape. La première manche, il est question d'assez d'agilité, de vitesse, plein de choses réunies. Alors, pour ça, je vais vous montrer l'endroit où cela va se passer. Voici l'endroit où va se passer l'épreuve. Bien sûr, vous allez me demander, mais qu'est-ce que cette épreuve? Qu'est-ce qu'on va faire sur cette montagne de terre aride et sèche? Oui, je sais, aride c'est le synonyme de sèche, mais c'est pas grave. Enfin, sec du coup, puisque c'est... Je sais plus, d'accord? On s'en fiche. Franchement, moi je comptais pas demander, hein, parce que voilà. Voilà. Eh bien, moi je pose cette fameuse question. Qu'est-ce que c'est que cette étape? Eh bien, tenez-vous prêts. Parce que cette étape... C'est qu'en fait, c'est tout simple. En fait, vous allez devoir sauter cette falaise pour atterrir de l'autre côté. Quoi? Mais c'est du suicide! Non, en fait, faut juste être très bon en course et en agilité et s'accrocher. C'est tout, mon cher ennemi. Je vais vous expliquer plus clairement. Vous allez être une équipe, enfin, avec votre équipe. Par exemple, Calypso, tu commences. Prenons cet exemple. Tu commences et tu vas devoir choisir 3 chevaux parmi ton équipe. Et les 3 vont devoir traverser la... Bah, comment on va appeler ça? Comment j'avais appelé ça déjà? Je me souviens plus. On n'a qu'à dire la crevasse. D'accord, la crevasse. Alors, vous allez devoir sauter la crevasse et atterrir de l'autre côté de cette crevasse. Et les 3 coéquipiers... Enfin, les 3 chevaux de ton équipe, il faut qu'ils aient réussissent. Et s'ils tombent dans le ravin, bien sûr, ce n'est pas mortel, hein, quoique je n'ai pas testé. Et ceux qui tombent, ils devront se relever, remonter la pente et réessayer de sauter jusqu'à ce qu'ils arrivent. Ensuite, dès que tes 3 chevaux de ton équipe auront réussi, ce sera le tour de Marguerite qui fera de même. Et bien sûr, moi, je mesurerai le temps avec le chronomètre. Et celui qui aura fait le meilleur temps gagnera. Et le perdant passera les... Enfin, pas une épreuve, mais dans son équipe, il y aura quelqu'un qui sera choisi pour être éliminé. Ok, super. On peut y aller maintenant? Oui, maintenant que j'ai fini mes explications. Oui, mademoiselle, je suis pressée. Alors, vous choisissez entre vos équipes tout de suite. Et après, on part pour aller rejoindre ces 2 montagnes. Alors, qui est fort en grimpage, vitesse, et tout ce qui nous aidera bien sûr dans les qualités pour, eh bien, surmonter cette épreuve. Personnellement, je pense que je suis trop gros pour le faire. Je suis lent et bien sûr un peu plus vieux que vous. Alors, qui se propose? Dites-moi vos talents. Eh bien moi je me propose parce que je suis la plus belle et aussi parce que je sais plus. Mais en tout cas je veux bien. Alors choisissez-moi. Moi aussi je me propose. Je suis grave rapide et c'est même pour ça qu'on m'appelle Orage. Moi aussi je me propose. Bon je sais je m'appelle Halloween, ça n'a rien à voir avec mes qualités, mais je pense que je suis assez rapide. Et puis aussi eh ben. Je sais très bien sauter, j'adore sauter. Comme je suis un peu surexcitée, bah je saute tout le temps. Et je suis trop rapide. Enfin, super bien rapide. C'est d'accord, vous serez les 3 participants à cette épreuve. Alors, qui veut participer à cette épreuve? Et je ne veux que des gagnants et pas des perdants. Donc, ce qui veut dire que Sucette, tu ne participeras pas à cette épreuve. Oh, c'est pas juste. Juste parce que j'ai une jambe en moins. C'est nul, je participerai à aucune épreuve. Et puis je pourrais même pas faire mes preuves, c'est injuste. Sachez que moi je participe déjà.
Donc, il nous faut encore deux participants ou participantes. Allez, proposez-vous. Je vous attends. Eh bien, moi, je veux bien participer. Je suis pas sûre de gagner, mais je suis assez têtue, donc j'essaierai de gagner. Et dès que j'ai une idée dans la tête, j'essaie de la réaliser le plus possible. C'est d'accord, tu viens. Merci. De rien. Allez, un troisième ou une troisième. Dépêchez-vous, on n'a pas que ça à faire. Sinon, on sera encore là au coucher du soleil. Eh bien, moi, je me propose. Je m'appelle Flamme et je suis assez rapide. Donc, d'où mon nom. Donc, je veux bien participer. Super, Flamme. Je t'ai déjà vu une fois courir et tu t'es pas mal débrouillé. Rejoins vite la troupe. Et vous autres, vous êtes que des nuls, ok? Donc, vous ferez pas les malins si on perd. Ou si on gagne. Ok. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour cette première épreuve? Oui, à 100%. Je participe avec Mistral et Flamme. Plus qu'à attendre. Et vous, est-ce que vous êtes prêts pour la première épreuve? Oui, on a Rose, Halloween et Orage qui participent. Eh bien, suivez-moi! Donc, en premier, ce sera l'équipe de Calypso qui partira, et en deuxième, l'équipe de Marguerite. Est-ce que je vois, vous avez déjà préparé l'ordre? Donc, d'abord Orage, ensuite Halloween, et en dernière, Rose. Donc, Orage, quand je dirai 3, tu pars, et quand tu seras arrivé à l'autre bout, enfin, en face de l'autre crevasse, Halloween, toi, tu pourras partir directement, ainsi de suite. Et moi, pendant ce temps, je chronométrerai, votre équipe pourra vous encourager, etc. Est-ce que tu es prêt, Orage? Oui. Alors, trois, oups, pardon. Alors, un, deux, trois, go! J'ai réussi à toi, Halloween! Wouhou! Super orage! Génial! Oh non, on va perdre! Allez, dépêche-toi, Halloween, remonte vite la pente! J'ai réussi! Wouhou! Super, on va gagner! Plus creuse! Vous avez vu, il faut en prendre de la graine. On va devoir faire mieux que. Qu'est-ce que tu fous, Flamme? Flamme, qu'est-ce que tu fais? Hein? Quoi? Tu manges une banane? Bah, j'avais un petit creux. Eh bien, sache que si on perd, c'est de ta faute. Aïe, mais tu me fais mal! À toi, Rose! Oups, pardon. Ouh, c'est une très mauvaise chute qu'elle a fait. Ah là là, mon brushing est tout mal fait. Non, franchement, vous avez vu ça. Oh, je suis plus belle, je suis défigurée à vie. Il me faudrait une banane pour ça, pour sauver ma vie. Faudrait que je mange 4 fruits. Non, c'est 5 fruits et légumes par jour. Là, tout de suite, vous avez pas de fruits. Eh vas-y, comment perdre? On va perdre juste à cause d'elle. Wouhou! Aïe! Arrête de te plaindre, Célestia. Et puis de toute manière, c'est pas en te plaignant et en leur critiquant que ça va mieux aller, hein. Et puis sinon, t'avais qu'à te proposer. Oh, mais excusez-moi, monsieur le chef, si je ne veux pas faire partie de cette équipe de nuls. Allez, courage, Rose, tu peux le faire. Tu pourras manger tes fruits et tout ce que tu veux après. C'est vrai. Oui, si on gagne. Ok. Ah, Burk, il y a des araignées là-dedans, je crois. J'ai vu une fourmi avec quatre pattes. Vous avez déjà vu des fourmis à quatre pattes? Oh là là, c'était horrible, quoi. Et puis moi, j'ai la flemme de monter toute cette pente, quoi. Hop, je vais faire un petit somme. Je crois bien qu'elle est en train de dormir, non? Et elle dort en faisant le cochon. Vous êtes à... Si je regarde bien mon compte. 5 minutes. Vous avez perdu 3 minutes à cause d'elle. Oh non. Ah. Coucou, ça va? Ah, toi, t'es trop beau, quoi. Ah, oh, ça pue la terre. J'ai réussi! J'ai réussi! Ouais, on a gagné!
Pas pour l'instant. Faut encore que le groupe de Marguerite fasse pire que nous. Et top là, on est à 9 minutes, voire 10. 9 minutes 30 plus précisément. Et eux, pendant ce temps, ils se reposent. Je sais déjà qu'on va perdre. Et ce soir, je vais compter contre... Ouais, voter contre Rose. Et c'est au tour de Marguerite et son équipe. Alors, ce que je vois, Mistral est en premier, Flamme en deuxième et Marguerite en troisième. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, et arrête ton charabia. 1, 2, 3. Wouhou, réussi du premier coup, trop content. Et c'est ce suivi de Flamme que ça s'enchaîne. Va-t-il réussir? Oh non, faut que je me dépêche. Ouais, réussi, plus que Marguerite, ça c'est sûr, elle va y arriver. Et ça fait déjà 3 minutes au chrono et seulement Marguerite vient. Top chrono. Waouh, c'est fou, je crois bien qu'on a gagné. Waouh. Wouh. Yes. Et voilà, qu'est-ce que j'avais dit, on a pris 9 minutes 30 juste à cause de Rose, alors qu'ils ont fini à 3 minutes. Oui, bon, bah c'est bon, hein, on sait tous qu'on a perdu, voilà, voilà, on fera mieux la prochaine fois. Et c'est la fin de cette première épreuve. L'équipe de Marguerite a gagné, ce qui veut dire que l'équipe de ce soir, qui sera là pour faire le bilan des votes avec l'élimination, sera le clan de Calypso. Bonsoir à l'équipe élastique, ou plutôt l'équipe de Calypso. Je suis sûre que vous n'êtes pas forcément ravis de me revoir ce soir, puisque c'est, comment dire, eh bien, l'élimination. Chacun, vous allez voter pour, parmi vous tous, vous allez voter pour une personne. Par exemple, si vous voulez éliminer Rose, Halloween ou Orage. Et s'il y a le plus de votes, si par exemple, tous les votes, ou la plupart d'entre eux, il y a plus de votes pour Halloween, eh bien Halloween sera éliminé. Maintenant, je vais laisser vous voter et on se retrouve après. Alors oui, c'est Calypso, moi le chef. J'ai choisi, je suis vraiment désolée. Mais je choisis d'éliminer Rose. Parce que vraiment, t'as eu un mauvais esprit d'équipe. Parce que pour dormir sur... dormir carrément tout seul dans la boue comme ça, alors que tu savais que c'était important, parce que c'est la première épreuve, c'est vraiment, on montre de quoi on est capable. Et je suis déçue, désolée. Peut-être que tu vas plus m'aimer, mais on se reverra peut-être une prochaine fois. Désolée. C'est moi, Rose. Je sais que vous allez tous croire que c'est de ma faute, mais alors pas du tout. C'est pour ça que je vote pour Halloween, parce que c'est totalement sa faute, avec son alias Félix le chat. Non mais franchement, vous avez vu ça et c'est pas bien débrouillé du tout. Je sais pas quoi, même s'il a réussi du premier coup, il s'est trop pété. En plus, il sait même pas quoi faire. Je trouve ça inadmissible quoi. Enfin, je sais pas, quand tu participes à une compétition, tu te nettoies avant quoi. Je sais pas moi, c'est bizarre. Hein. En tout cas, c'est pour ça que je t'élimine. Je suis pas du tout désolée, parce que tu sers complètement à rien. Et parce que de toute manière, je sais que c'est toi qui vas partir, et pas moi, et pas Flamme. Enfin, Flamme n'est pas dans notre équipe, mais c'est pas grave. Je l'aime quand même, ok? Donc t'y touches pas. Ok? Moi, c'est Oreo. Et je choisis d'éliminer Rose parce qu'elle est vraiment pas sympa. C'est à cause d'elle qu'on a perdu. Et voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Moi, vous me connaissez déjà. C'est Halloween alias Félix le chat. Je suis désolée qu'on ait perdu déjà. Et je pense que c'est assez de ma faute. J'ai dû trop être active, ça m'arrive souvent. Mais voilà, je tenais à dire que je vous aime et que je suis désolée, mais je vote pour Rose parce qu'en fait, si elle aurait été plus vite, elle aurait pu rattraper mon retard. Donc moi, c'est Orage. Franchement, je trouve que c'est de la faute de Halloween parce que il a été trop actif. Et en plus, vraiment, il a été nul. Il disait qu'il était très actif, qu'il faisait des bons et tout. Niveau bon, il a été de la merde, quoi. Enfin, je sais pas. Voilà, je vote pour lui. Bye bye, Halloween. Moi, j'ai pas besoin de me présenter. Et je vote pour Orage parce qu'il se répète un peu trop. Moi c'est Soleil et je vote pour Rose parce qu'elle est pas très gentille. Moi c'est Célestia, je vote pour Rose. Moi je vote pour Rose. Ah non, mais moi je vote pas pour Rose hein, parce que c'est ma meilleure amie, genre on est trop pareil. Genre ce matin, je lui ai fait le même rechute que moi, elle a adhéré. Dommage qu'il a pas tenu. Comme elle m'a dit qu'elle avait voté pour Halloween, je vote pour Halloween. Je sais qu'on n'a pas le droit de dire ce qu'on vote, mais c'est pas grave. Et vous revoilà après, eh bien, tout simplement, les votes. Je les ai dévalés. Et il y a 6 votes pour Rose, ce qui fait quand même pas mal sur 10. Et ce qui fait que, eh bien, Rose, tu vas sûrement devoir partir.
Mais d'abord, je vais compter les autres votes. Et il y a 2 votes pour Orage et 2 votes pour Halloween. Je suis désolée, Rose, mais tu vas nous quitter aujourd'hui. Mais tu auras quand même participé à Koh-Lanta, ce n'est pas rien. De toute manière, j'aime pas cette émission parce que c'est de la merde, vous êtes des mauvais joueurs, voilà tout, vous aimez pas que je suis trop belle. Voilà. Allez vous reposer, demain, nous attaquerons la 2e épreuve.